96 points, c'est le score de la France, un score qui se situe dans la moyenne des 65 pays étudiés par l'OCDE. Plusieurs axes, les maths, les sciences, l'égalité des chances, la lecture, compréhension. Sur ce dernier point, la proportion d'élèves en difficulté est passée de 15 à 20% en 10 ans. En maths, la France caracolait en tête lors de la première enquête PISA en 2000. Une décennie plus tard, le pourcentage d'élèves en difficulté a augmenté de 6 points, passant de 16 à plus de 22%. L'Hexagone, loin derrière, la Finlande, la Corée, le Japon ou l'Australie. Même constat en culture scientifique. Le résultat le plus négatif est celui de l'égalité des chances. Elle s'est dégradée de 50% en moins d'une génération. Un enfant d'enseignant aurait 14 fois plus de chances d'arriver au bac qu'un enfant d'ouvrier. Dans les années 90, il n'avait que 9 chances de plus. Une étude à laquelle a réagi Luc Chatel, le ministre de l'Éducation nationale. S'il reconnaît que les deux points noirs de cette étude sont l'augmentation des élèves en difficulté et l'égalité des chances, il rappelle toutefois que les résultats sont dans la moyenne de l'OCDE et stables depuis 10 ans.